Parler du thème de la pleine lune du 24 juin. 24 juin 2021, évidemment, à 18h40 minutes, heure GMT. Hein, ça, c'est le GMT, donc c'est l'heure de Greenwich. Pour la France, par exemple, il faut rajouter 2 heures. Voilà, vous savez tout, ou presque. On va continuer. Avant de vous parler de ce thème, j'aimerais vous présenter quand même 2 promotions que j'ai en cours. Celle-ci est en cours depuis un certain temps déjà. Elle vous permet d'obtenir 16 vidéos gratuites des leçons d'astrologie qui sont reliées aux cours que je diffuse par le biais de l'école Ablaz depuis des années. Et donc en achetant ce livre, vous me faites parvenir la preuve d'achat évidemment. C'est sur Amazon hein, qu'il faut acheter mes livres. Amazon est mon éditeur. J'avais un autre éditeur auparavant. Pardès, pour ne pas le nommer, qui en fait n'a pas du tout respecté le contrat, si je puis dire, dans le sens où, depuis que mes livres sont publiés, et je dirais plutôt depuis environ 4-5 ans, je n'ai absolument plus de nouvelles de cette maison d'édition en termes de paiement de royalties, vous voyez, donc ça n'est pas particulièrement intéressant ni agréable de travailler avec des gens comme ça. Alors qu'avec Amazon, on a beau les critiquer, ils payent rubis sur l'ongle ce qu'ils doivent régler en termes de royalty ou droit d'auteur. Et en plus, il y a une facilité d'accès absolument incroyable, quoi. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être publié. C'est la responsabilité totale de l'auteur qui est en jeu et non pas celle de l'éditeur. Donc ça change complètement le rapport et je suis personnellement très satisfait de travailler avec Amazon, même si c'est quand même une entreprise très critiquée de par le monde et peut-être plus particulièrement en France qu'ailleurs, je ne sais pas, mais le fait est que pour ma part, évidemment, je suis satisfait de cette collaboration. Donc voici ce livre et celui-ci, Les Transits. Donc l'analyse des transits est intéressante pour faire du prévisionnel. L'analyse des transits, c'est ce que je fais quand je parle de la Lune, par exemple, qui va passer à tel moment sur la position de Pluton, puis sur celle de Saturne, etc. C'est ce qu'on appelle les transits. C'est le transit de la Lune. Évidemment, il y a le transit de Mercure, de Vénus, de Mars, etc. Et l'achat de ce livre vous donne accès à 50% de réduction sur une réponse à une question, donc 17,50 € au lieu de 35, c'est quand même intéressant. Et puis, vous avez aussi accès, c'est pas écrit ici, mais vous le découvrirez sur le site de l'école Ablaz, vous aurez la possibilité, par exemple, si vous souhaitez commander une analyse approfondie de votre thème natal, des transits planétaires, pour avoir des prévisions, ou un thème comparatif, une synastrie, comme on dit, avec une personne de votre choix, ou quelque autre analyse proposée sur le site de l'école Ablaz, vous bénéficierez d'une réduction de 20%. Ceci, et cette promotion surtout, celle-ci va continuer à tourner pendant encore longtemps, je pense, mais celle-ci va se terminer le 24 juin, c'est-à-dire le jour de la pleine lune. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 11, donc nous sommes le lendemain de la nouvelle lune qui a eu lieu le 10, et c'est pourquoi je propose cette promotion. En plus, il y a aussi les analyses ciblées, c'est-à-dire c'est plus court qu'une analyse approfondie, parce qu'on s'intéresse directement et exclusivement au domaine de votre vie qui pose problème ou que vous souhaitez un petit peu éclairer pour mieux le gérer. Et là, vous aurez droit aussi à une réduction un peu plus légère de 10% sur le prix qui est déjà léger de cette consultation. Voilà. Donc, visitez le site de l'école Ablaz et vous verrez immédiatement un logo qui vous permettra d'accéder aux informations et ensuite
au formulaire. Les explications sont indiquées évidemment sur le site. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler du thème de cette pleine lune du 24 juin 2021, 18h40. Elle est intéressante, mais voyez, quand on parle des aspects planétaires, ce sont ces lignes qui créent des liens en fait entre les différents éléments qui occupent cette carte du ciel. Et on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Ça veut dire que ce sera une période probablement riche en rebondissements en tout genre. L'opposition Soleil-Lune, Soleil-Lune, ça c'est la pleine lune en fait, hein. Donc dans cette opposition Soleil-Lune, il y a évidemment une sorte de tiraillement qui peut provenir de l'émotionnel. La Lune est en Capricorne. Le Soleil est en Cancer, c'est le signe de la Lune. Donc un Soleil en Cancer rend généralement plus émotif. Et cette émotivité devra être contrôlée. Sinon, elle peut poser problème, évidemment. C'est-à-dire qu'elle peut déclencher des réactions peut-être contraires aux intérêts de la personne concernée. Et nous serons tous concernés, parce que c'est une période importante. On s'approche quand même, on est dans l'été, hein, ce sont les premiers jours de l'été. L'été va commencer le 21 juin. Donc vous voyez, 3 jours plus tard, la pleine lune se met en place dans le signe du Cancer. Ça commence à chauffer. D'ailleurs, le temps va effectivement se réchauffer considérablement, parce que Mars transite le signe du Lion, ici, vous voyez. C'est un signe de feu par excellence, c'est le signe du Soleil. Et c'est le signe qui correspond à la période de l'été la plus chaude, on peut dire, hein, du 23 juillet au 23 août. Dans l'hémisphère nord, évidemment, de la Terre, et non pas dans l'hémisphère sud, puisque dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. C'est l'hiver, mais l'énergie ou la symbolique du signe reste quand même la même. Donc il y a une énergie forte qui va se déployer par le biais de ce transit de Mars en Lion, pendant cette période et au-delà d'ailleurs, puisque ce transit va durer jusque vers la fin du mois de juillet. Donc quand la Lune va arriver à la longitude de Pluton, elle va déclencher ce que Pluton représente en fait. La notion ici Pluton opposée à Vénus, c'est une notion de remise en question des valeurs, sur le plan affectif par exemple. Donc certains d'entre nous, certaines d'entre vous, seront peut-être concernés par ce genre de choses. La nécessité de remettre en question les valeurs affectives et la manière dont on les gère pour qu'elles soient plus harmonieuses, plus agréables. Après tout, c'est une période au cours de laquelle on aura envie de profiter des bonnes choses de la vie, n'est-ce pas? Mais il faudra quand même faire attention. Donc ça se situe ici, c'est le 26 juin, 2 jours plus tard. Il faudra faire un peu attention parce que l'énergie de la pleine lune continuera tant que la lune est dans le signe du Capricorne. Et donc, elle sera effectivement opposée à Vénus, mais également au Soleil qui, lui, continuera de transiter le signe du Cancer jusqu'au 23 août. Donc, cette énergie lune, elle va rejoindre l'énergie plutonienne pour produire cette notion de remise en question. Mais vous voyez qu'il y a par ailleurs ici, un lien, la ligne bleue, là, c'est un lien très bénéfique avec Vesta, qui représente l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui en découlent, et un lien bénéfique avec la lune noire, qui représente les zones d'ombre, ce qu'on ignore, ce qu'on ne veut pas montrer, ce qu'on ne veut pas savoir, etc., ce qu'on peut avoir tendance à éviter. La lune noire représente l'inconnu. L'inconnu peut attirer, mais en même temps, bah, comment dirais-je, produire des peurs. Des craintes, en tous les cas. Et en fait, le passage de la Lune à la longitude de Pluton, qui est en harmonie avec cette Lune noire et avec Vesta, peut nous permettre de comprendre quelque chose de très profond, afin justement de faire la lumière, même si c'est une lumière un peu diffuse, car c'est la lumière lunaire, elle n'est pas aussi puissante que la lumière solaire. Mais quand on est dans une phase de pleine Lune, en pleine nuit, vous allez peut-être voir mieux, en tous les cas, que pendant une période de nouvelle lune où il n'y a pas de lune du tout. Donc la nuit est noire, vous voyez, cette nuit-là, elle sera moins noire. Et ça peut vous permettre de découvrir, de voir là où vous mettez les pieds aussi, de manière à éviter de commettre des erreurs, ou tout au moins peut-être aussi de réparer certaines erreurs, ou de fonctionner par rapport à cette opposition de Vénus
peut produire une tendance, effectivement, à, de façon assez radicale, à passer à autre chose. Donc à en finir avec une certaine façon de fonctionner, au niveau affectif ou même sentimental, voilà, pour une évolution, pour une renaissance. Alors si vous êtes dans cette logique, évidemment, vous allez vous sentir beaucoup plus concerné que si vous ne l'êtes pas. Mais cette notion de renaissance et d'affectif ne se manifestera pas nécessairement au niveau relationnel, couple, je veux dire, et intime. Ça peut aussi être représentatif d'une remise en question des valeurs qui vous sont chères. Donc c'est aussi l'argent, peut-être, hein. Après tout, Vénus représente le deuxième signe du zodiaque, le signe du taureau, qui est relié directement à l'argent par le biais de la deuxième maison astrologique, qui représente justement notre capacité à gagner notre vie pour manger, tout simplement. Donc Vénus représente aussi l'alimentation. Et si vous avez un repas un peu chargé à cette époque, vers le 26 juin, essayez de faire attention à ce que vous mangez pour éviter des contrariétés digestives qui pourraient s'en suivre. Voilà. Après, la Lune va continuer son périple pour arriver à la longitude de Saturne, qui lui est opposé à Mars. Vous voyez, Mars est ici, Saturne est là. Alors Mars, c'est l'accélérateur. Saturne, c'est le frein. Si les deux sont opposés, on va avoir du mal peut-être à choisir. Il va falloir choisir. Il va falloir trouver le juste milieu, en fait, qui est au centre de l'opposition. Vous voyez, il y en a pas mal d'oppositions d'ailleurs dans ce thème. Ce qui veut dire que c'est quand même une période qui sera marquée par des tiraillements, qui sera marquée par des confrontations, par des concertations, par des discussions, voilà, qui vont peut-être permettre à certains moments de tomber d'accord à mi-chemin, si vous voulez. Donc on a d'un côté l'accélérateur représenté par Mars qui en Lion est très stimulé par l'ego. Donc attention, parce que l'ego c'est aussi la fierté, c'est vous voyez, l'orgueil, etc., qui peuvent entrer en conflit avec les réalités sur le terrain qui, elles, sont représentées par Saturne. Ce sont des réalités sociales aussi, puisque Saturne est en Verseau. C'est le signe de la société, c'est le signe des gens. Donc, ça peut être représentatif aussi d'un tiraillement dans les rapports avec la société ou au sujet de la société pour différentes raisons, ou bien dans les relations avec certaines personnes de l'entourage social, des amis ou des relations sociales, etc. Donc ça peut devenir un peu tendu, je dirais, parce que effectivement, Saturne va recevoir l'énergie de Mars, là, puisque l'opposition vient de Mars. Quand Mars sera rejoint éventuellement par la Lune, mais on sera déjà dans la période de nouvelle Lune, donc j'en parlerai pour cette période-là, mais ce sera l'inverse qui va se produire. C'est Saturne qui va avoir tendance à s'imposer à l'énergie de Mars pour la limiter, pour la diminuer, pour la contrôler aussi peut-être. Mais là, on est vraiment dans une logique de nécessité d'autocontrôle. Et oui, parce que sinon, ça va devenir un peu n'importe quoi. D'un côté, on va trop vite, de l'autre côté, on ne va pas assez vite. Alors, il faut faire un choix. Sinon, on fait du surplace. Vous voyez, vous faites deux pas en arrière, un en avant, deux en avant ensuite, trois en arrière, etc. Et vous vous apercevez au bout d'une heure et demie que vous n'avez pas bougé de place. Donc ça, c'est important. Mais Saturne est en harmonie avec Mercure et les nœuds lunaires. Le nord est ici, le sud est là. Et ce lien-là, ce triangle intéressant, est représentatif en fait de ce qu'il y a à comprendre de façon rationnelle. Et c'est en étant rationnel, en plus Mercure représente le mental rationnel, il est en Gémeaux dans son signe, il est fort. Il n'est plus rétrograde comme il l'est actuellement, il ne l'est plus là, il ne le sera plus donc le 24 juin, et ça veut dire qu'il sera beaucoup plus opérationnel. La communication représentée par Mercure, par le signe des Gémeaux, on a le nœud nord qui est à côté qui représente ce vers quoi on doit tendre, on doit justement tendre vers la communication. Et la communication, au sens large du terme, c'est le mouvement aussi, les déplacements, les voyages, etc. Bon, on voit que ça s'ouvre de nouveau, hein. On devient de plus en plus libre d'agir à notre guise. Donc c'est formidable. Ça peut déclencher effectivement toutes sortes de joie, de satisfaction, mais en même temps, hein, ça peut aussi devenir une source d'erreur. Donc il faudra vraiment faire appel à l'énergie de Saturne,
qui représente finalement la sagesse, le savoir, tout ce qui est acquis et ce qui n'est pas discutable, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si on applique ce c'est comme ça et pas autrement, on va peut-être être davantage récompensé par le destin, entre guillemets, ou par ceux qui nous entourent, et on va davantage profiter des bonnes choses. Ce qui n'est pas négligeable, encore une fois. Par contre, Saturne est dans le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Et il est en dissonance avec Uranus. J'en ai déjà parlé, hein, j'en parle à chaque fois, puisque cette dissonance, elle va perdurer au moins jusqu'à la fin du transit de Saturne en Verseau, c'est-à-dire jusqu'en mars 2023. Vous voyez? Donc je vous en reparlerai. Mais elle est importante, cette configuration. Parce qu'on a d'un côté Saturne qui représente le passé, les acquis, hein, ce que l'on sait, ce qui n'est pas discutable. C'est vrai qu'on ne peut pas changer le passé, sauf peut-être dans sa mémoire. Et Uranus représente l'avenir. Donc, on va tous vers l'avenir, fatalement. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas rester dans le passé. Le temps ne s'arrête pas, il continue. Il est représenté par Saturne, d'ailleurs. Donc, un Saturne en Verseau dans le signe d'Uranus, qui lui est dans le signe du Taureau, le signe des bonnes et belles choses de la vie, hein, le signe des valeurs matérielles également. La matière de la vie, en fait, hein, et tout ce que l'on peut en tirer de satisfaisant et d'agréable. On voit que depuis que Uranus est en taureau, c'est-à-dire fondamentalement depuis mars 2019, il y a une notion de changement qui s'impose progressivement et de plus en plus en ce qui concerne notre façon de gagner notre vie, notre façon de manger, notre vision des choses, en fait, sur le plan de la matière de la vie. Mais Saturne, qui représente le passé, nous incite aussi ou nous motive, nous influence à vouloir aussi conserver nos habitudes et à continuer de fonctionner par rapport à nos habitudes, alors que finalement c'est quelque chose qui va devoir disparaître à un moment donné. C'est comme ça. Et à partir du moment où on accepte cette idée, c'est comme ça. Eh bien, on est peut-être plus adaptable, mieux adapté en tous les cas aux changements qui sont représentés par Uranus et qui continueront de s'imposer pendant un certain temps. Malgré nous, vous voyez, cette dissonance, elle crée quand même un tiraillement entre le passé et l'avenir. Donc, où voulez-vous aller? Dans le passé ou dans l'avenir? C'est la question qu'il va falloir vous poser. Et vous allez vous la poser peut-être lorsque la Lune va arriver ici le 27 juin. Et ce sera en relation avec comment dirais-je, des réalités sur le terrain, on peut dire. Saturne est quand même en harmonie avec Chiron d'un côté et avec le nœud lunaire sud de l'autre, puisqu'il est en harmonie avec le nord, c'est normal. Et ça peut permettre de trouver vraiment une solution concrète à certains problèmes liés justement au passé, qui peut devenir une source de motivation pour changer les choses et, voilà, rendez-vous dans l'avenir. Et ce rendez-vous, en fait, il peut être vécu ou consommé là, lorsque la Lune va arriver ici, puisqu'elle va redéclencher, en fait, cette dissonance, ce sera le 4 juillet. Alors, il faudra faire attention parce qu'il y a une dissonance avec Mars aussi. Et ça peut créer un cafouillage, vous voyez, au niveau du comportement. Ce qui veut dire que le début du mois de juillet peut être un moment délicat au cours duquel des incidents de parcours peuvent se produire. Incidents ou accidents, incidents diplomatiques, disputes, contrariétés, conflits et autres dissonances en fait. Il y a quelque chose de très déstabilisant dans cette configuration. Mars peut vraiment nous inciter à accélérer le rythme au-delà des limites raisonnables. Et si on roule trop vite, hein, sur la route, vous savez ce que c'est. Par exemple, hein, ça peut produire évidemment un accident ou une panne. Voilà, donc prudence à cette époque vers le 4 juillet. Parce que Uranus n'est pas, malheureusement, c'est vrai, il faut le dire, n'est pas soutenu par d'autres éléments dans le thème. C'est-à-dire qu'il n'y a que
cette dissonance avec Saturne, celle-ci avec Mars, et il y a un quinconce avec le nœud sud. Et ce nœud sud représente ce de quoi on doit accepter de, voilà, de se débarrasser, d'abandonner. Donc il y a un sacrifice à faire. Et si on est capable de faire ce sacrifice, peut-être que la notion de changement représentée par Uranus sera mieux gérée. Elle sera moins source d'insatisfaction, de regret, de remords ou tout ce que vous voudrez représenter par Saturne. Et elle sera peut-être aussi moins source de réactions de colère, par exemple, en tous les cas de réactions qui peuvent être adverses et conflictuelles. Voilà. Donc, prudence aux alentours du 4 juillet, parce qu'il peut y avoir un lien entre ce qui se produira aux alentours du 4 juillet et ce qui se produira aussi et ce qui sera décidé peut-être aussi aux alentours du 27 juin. Le lendemain de ce 27 juin, donc le 28, la Lune, qui continue son transit autour du zodiaque, va arriver à la longitude de Jupiter, qui est rétrograde. Vous voyez, Saturne aussi, Pluton aussi, les trois monstres, comme je les appelais l'année dernière, sont rétrogrades. Ils vont reprendre leur mouvement direct au mois d'octobre, 7, 12, 18. Souvenez-vous de ces trois dates. 7, c'est Pluton, le 12, c'est Saturne, le 18, c'est Jupiter. Et là, il est possible que, en reprenant leur mouvement direct, évidemment, leur énergie va devenir plus forte, et ce que ces énergies portent, rappelez-vous de l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé au septembre-octobre par rapport à la situation, on va dire, sanitaire, hein, générale. Donc faisons en sorte, pendant que tout va bien, que ça continue à aller bien, en évitant de prendre des risques inutiles. Et ça, ce sera vraiment important aux alentours donc, du 28 juin. Heureusement, Jupiter est en harmonie avec la Lune, Jupiter est en harmonie avec le Soleil. Ça, c'est une belle protection. Il y a là un potentiel d'évolution considérable. Mais au quinconce de Mars, en fait, ce quinconce peut nous inciter finalement à démarrer et à s'engager avec beaucoup de passion parce que, par ailleurs, on se sentira protégé et débarrassé peut-être de différents problèmes qu'on peut traîner depuis le début de l'année dernière, par exemple. Hein. Donc là, oui, c'est probablement indicatif d'un moment fort et plutôt sympathique qui se répercute le 30 juin d'ailleurs, lorsque la Lune va arriver à la longitude de Neptune. Après tout, Jupiter est dans le signe de Neptune. Neptune n'est pas rétrograde. Neptune représente nos rêves, nos espoirs, nos illusions. Neptune est en harmonie avec Vénus, c'est très sympathique sur le plan affectif et sur le plan de l'appréciation des bonnes et belles choses de la vie. C'est la créativité aussi, la création et la procréation qui sont indiquées ou représentées par cette configuration. Évidemment, Neptune est en harmonie aussi avec Pluton. Régénération, transformation, amélioration. S'il y a, à cette époque, au moment où la Lune passe ici le 26 juin, quelque chose qui remet en question les valeurs affectives et qui produit peut-être aussi une souffrance, eh bien, il semble que lorsque la Lune passera à la longitude de Neptune, cette souffrance puisse être, transcendée et qu'elle devienne une source plutôt de satisfaction plus élevée d'ailleurs, parce qu'avec Neptune, on est quand même dans une énergie plus spirituelle que bassement terre-à-terre, si vous voulez. Et Neptune est opposé à Vesta. Ça, c'est le potentiel de déséquilibre. En fait, trop de bonheur tue le bonheur, si je puis dire. Ce qui voudrait dire que la réalisation d'un rêve dans votre vie, dans la mienne ou dans celle de n'importe qui d'autre, peut provoquer évidemment un enthousiasme considérable au niveau affectif, un déclenchement très fort. Et on a aussi un lien bénéfique avec Pluton, qui lui représente cette notion de régénération. Donc c'est une impression de renaissance, en fait, qui peut être ici source de déstabilisation. C'est trop beau pour être vrai, par exemple. Mais non. Pourquoi est-ce que ce serait trop beau pour être vrai? Non. Il faut accepter et profiter des bonnes choses de la vie quand elles arrivent. Donc, faisons cela, mais tout en restant quand même conscients du fait que nous sommes responsables, finalement,
de ce qui se passe dans nos vies. On peut être victime d'un événement, évidemment, ou d'un accident, ou d'une agression, ou de quoi que ce soit, mais peut-être qu'on ne devrait pas être victime des réactions qu'on a dans le contexte en question. Voilà, c'est ce que je pense en tous les cas. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais. Ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Chiron, qui lui est vraiment tranquille, il est en bélier certes, mais il est en harmonie avec Saturne, il est en harmonie avec Mercure et les nœuds lunaires, il est en harmonie avec Mars. Dynamisme. Dynamisme et santé. Bonne santé. Donc, augmentation de l'énergie vitale, de l'énergie d'action. Mars, après tout, c'est le sport, l'exercice, tout ce qui peut nous permettre de profiter aussi du grand air, des vacances. Donc, c'est positif. Et ça semble aussi indiquer que l'aspect santé de notre vie peut devenir vraiment beaucoup plus contrôlable et beaucoup mieux contrôlé grâce à ces configurations qui indiquent à quel point on peut agir pour finalement préserver effectivement ou restaurer un état de santé optimum. Ce ne sera pas vrai pour tout le monde, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais si on en prend conscience et qu'on agit de façon à pouvoir effectivement préserver son état de santé optimum, et quand je parle de santé, ce n'est pas nécessairement non plus la santé physique, c'est aussi la santé psychologique, pourquoi pas, c'est la santé affective, c'est la santé émotionnelle, c'est la santé professionnelle, c'est la santé matérielle, c'est la santé au sens large du terme. Mais, bon, reconnaissons quand même que Chiron, c'est le médecin intérieur, c'est donc essentiellement relié aussi à la santé du moi. Donc, l'état de santé du moi, en général, peut être très amélioré, le potentiel d'amélioration, en tous les cas, est très bien représenté par les configurations que je viens d'évoquer. Mercure, c'est aussi les prises de conscience, la communication, la connaissance également, le savoir, qui s'exprime de façon rationnelle, grâce à Saturne, qui est en harmonie avec Mercure, et Chiron, qui est en harmonie aussi avec Saturne. Ça permettra peut-être, effectivement, de passer un cap décisif aux alentours du 2 juillet en ce qui concerne la situation générale, en fait, dans le monde. Vous voyez ? Moi, je me disais parfois, cette situation qui a émergé de nulle part peut, pourquoi pas, un jour, disparaître comme elle est venue, sans savoir ni pourquoi ni comment. Alors, on découvrira peut-être un jour le pourquoi du comment, mais bon, voilà, nous verrons. Et nous en reparlerons éventuellement. Ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Uranus, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Soyez vigilante ou vigilant à cette époque, vers le 4 juillet, ça peut être le 3, ça peut être le 5, soyez dans la prudence et dans la mesure. Ensuite, cela dit, le 5 donc, la Lune arrive à la longitude de la Lune noire, qui est en harmonie avec Vesta d'un côté et avec Pluton de l'autre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand la Lune arrivera à la longitude de Pluton le 26 juin, il peut y avoir un lien très intéressant avec le 5 juillet. Donc, ce qui se passera le 26 juin peut être relié à ce qui se passera le 5 juillet. En termes, en fait, de compréhension et de réalisation de ce qui n'est pas forcément clair encore pour vous aujourd'hui et qui peut devenir finalement beaucoup plus compréhensible et donc beaucoup plus facile à gérer le 26 juin. Et ensuite, selon le travail que vous allez faire sur cette énergie lune noire, qui représente ces fameuses zones d'ombre, donc ce qui n'est pas forcément très, très visible à l'œil nu, on va dire, grâce à la lune qui va passer ici, sa lumière diffuse, qui n'est que la réflexion de la lumière solaire, bien évidemment, peut permettre de voir ce qu'il y a à voir. Et même si ça n'est pas encore 100% clair, ce sera quelque chose qui permet d'avancer, d'aller plus loin, de progresser et d'améliorer. Donc il ne faut pas s'en passer de ça. D'autant plus que là, Vesta représente la notion d'harmonie et d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'harmonisation. Et Vénus, qui est en harmonie aussi avec la Lune noire, indique un potentiel de satisfaction
Au niveau affectif, par exemple, la lune noire est en taureau, c'est le signe de Vénus, n'est-ce pas? Donc, des satisfactions qui peuvent être matérielles, oui, en rapport avec le signe du taureau, qui est quand même un signe affectif, en rapport aussi avec, comment dire, tout ce que l'argent peut nous apporter de bonnes choses. Donc, c'est l'alimentation, etc. Donc, ça peut être une période très agréable de ce point de vue-là. Profitons-en aussi, c'est la nature, le signe du taureau, donc profitons de cette nature. Ensuite, la Lune va arriver évidemment à la longitude du nœud nord et de Mercure, les 6 et 7 juillet, en harmonie avec Saturne. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de Saturne en harmonie avec Mercure. Ceux d'entre nous ou celles d'entre nous qui pourront penser, réfléchir, communiquer de façon rationnelle, structurée et concrète, obtiendront un résultat et peut-être une belle récompense à cette époque-là. Il y a une satisfaction dont vous allez pouvoir bénéficier à cette époque. Cela dit, attention, il y a cette opposition avec le nœud sud et il y a aussi une quadrature, une dissonance donc avec Vesta qui représente l'harmonie. Le besoin d'harmonie peut dépasser le besoin de bien-être, en fait, peut aussi dépasser la nécessité d'assumer certaines responsabilités, contraintes qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui, si elles sont assumées, permettront d'obtenir davantage que si elles ne le sont pas, tout simplement. C'est aussi bête que ça, c'est une lapalissade, mais c'est vrai. Et à ce moment-là, si on n'assume pas les responsabilités telles qu'on doit les assumer, telles qu'on sait qu'on doit les assumer, la déstabilisation prendra place et Vesta va nous balloter un petit peu dans tous les sens. Et ce ne sera pas agréable, ça peut même donner des nausées, vous voyez ce que je veux dire. Et l'opposition avec le nœud sud, oui, c'est aussi représentatif de ce qu'on doit lâcher, de ce qu'on doit abandonner. Arrêtons de penser d'une certaine manière pour penser d'une façon plus actuelle, on va dire. C'est un renouveau au niveau du système de pensée et de communication. Ensuite, évidemment, la Lune va arriver ici à la longitude du Soleil. Là, on sera le 8-9 juillet. Et la nouvelle Lune, pardon, se produira le 10 juillet à 1h18, GMT toujours, bien sûr, à 18 degrés, 2 minutes, du signe du Cancer. Et je ferai une analyse à ce sujet, bien évidemment. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, si vous souhaitez une analyse plus approfondie de votre thème pour toutes sortes de raisons, si vous souhaitez toute autre sorte de service proposé sur le site de l'École Ablas, et si vous souhaitez bénéficier évidemment des promotions que j'ai évoquées au début de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas, procurez-vous ce livre. Il est très intéressant dans le sens où il apprend à analyser les aspects. Savoir que Jupiter se trouve à tel ou tel endroit, en ce moment Jupiter est en poisson, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous ne le savez peut-être pas, vous l'apprendrez avec ce livre. Et ainsi pour toutes les autres planètes, bien évidemment. Donc c'est quelque chose qui peut permettre de prévoir la façon dont votre avenir se développera et ce que vous pouvez faire de l'information pour que cet avenir qui va se développe comme vous l'entendez et non pas un petit peu n'importe comment. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une agréable nouvelle lune. C'est terminé, elle a eu lieu hier. Mais en tous les cas, une très belle pleine lune. La promotion sera active jusqu'au 24 juin, 18h40 GMT. Merci, au revoir.